chapitre 1, vers la partie du verset 35 à 51. Alors, on va suivre. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous allez commencer au début. Vous allez écouter beaucoup de choses. Moi, je cherche ce que je cherche. Je cherche là où il y a le bonheur. Vous connaissez la chanson là. Moi, je cherche là où il y a le bonheur. Qui pourra... Je sais que vous retrouvez là parce que je ne chante pas ça dans la table qu'il faut. Moi, je cherche, ça a toujours... Vous trouverez le bonheur, je m'en dis peut-être, tu verras mes peines. De même, ma maman aimait trop ce morceau. Elle était lancée à chanter 10. Tu vas l'avoir entendre dessus. Moi, je cherche chaque jour, vous trouverez mon bonheur, demain peut-être, aujourd'hui, tu verras les peines. Elle avait ça sous ses lèvres, mais ma maman n'a pas supporté le choc. Elle était la première personne à dire à Dieu, Seigneur, prends-moi, je vais me reposer. Alléluia. Yeah. Parce qu'elle avait ses choses, elle avait mes choses. Mais c'était très, très costaud. Qu'elle ne pouvait plus savoir, alors que c'était facile. Mais comme elle n'avait personne pour le coéquipier, elle s'est livrée à demander à Dieu qu'elle puisse se reposer. Le poids pèse beaucoup. Et c'est elle qui me chantait en chantant, en chantant devant le ciel à l'église. Quand on me consacrait, il me disait, Achille Koussalako, la croix que tu poses aujourd'hui, porte aujourd'hui, sache que cette croix va apaiser beaucoup, mais si tu vas vers la fin, cette croix va te délivrer. Je crois que. Voilà. Ce jour-là, il a parlé. Chanter, moi-même, j'ai cassé le corps. Mais quand le morceau a commencé à m'écraser, c'est-à-dire hier, ce qu'on m'a dit, c'est déjà arrivé et ça a commencé. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Bien-aimés, avez-vous compris que est-ce que vous avez compris même tout à l'heure que Jésus les a appelés? Ils ont été approuvés par la connexion. Ils ont fait quoi? Ils ont cherché la première place. Depuis que tu entends que Jésus est avec toi, il est dans ta famille, il est en toi-même. As-tu déjà cherché la première place? Il faut qu'on prie tout le jour, changer vos vies. Est-ce que tu as déjà cherché la première place? Obéir lentement n'est pas obéir. Faisons les efforts. Que dès qu'on entend qu'il n'est pas bien de manquer de culte, les gens ne manquent pas de culte parce que Dieu, il passe le jour inopiné et il fait sa chose, il part. Tant pis pour les retardataires. Alors nous avons intérêt à être présents devant lui à tout le monde. Bien-aimés, on continue. Jésus se retourna et voyant qu'il est le suivant, il leur dit, que cherchez-vous? Et lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Lendemain, est-ce que c'est Jésus qui leur dit, venez, suivez-moi? Et là, c'est pour cela la parole de Dieu dit, quand vous allez lire cette parenthèse, vous allez trouver un endroit où la parole de Dieu démontre comment Jésus a commencé sa mission et comment les gens venaient auprès de lui jusqu'à atteindre ce niveau. Quand vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de vous dire venez et suivez-nous. Tout seul, vous savez ce que vous devez faire. Tous les jours, je dis dans cette église, les gens doivent être en retard. Les gens font le retard du tabernacle en bas comme s'ils veulent. Est-ce que ça, c'est l'obéissance de l'esprit? Que Dieu te bénisse la personne quasiment. Les autres là, laissez dans vos. Donc vous connaissez. C'est pas moi qui va vous dire. Alors, bienvenue au verset 30. Venez, leur dit-il, et voyez
Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la dixième année. La dixième heure. Bien-aimés, ils ont vu Jésus passer, ils ont entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ils sont partis plonger. Quand ils veulent voir là où le prince reste, ils sont allés voir. Jésus n'avait pas de bunker, il n'avait pas de duplex, il n'avait pas de royaume. Jésus était dans des endroits simples, comme on peut trouver des crochards. Et c'est là où ça lui aurait plu qu'un homme pressant comme ça, on peut demeurer auprès de lui, parce qu'ils ont su que Jésus portait du miel et il fallait les porteurs du miel. Quand vous venez à l'église, sachez que l'église est votre miel, l'église est votre source, l'église est votre joie. Et il faut que chacun de vous se sente concerné à porter cette fruit, à porter cette joie pour que ça inonde en lui et dans sa famille, et dans l'église et dans les nations. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Celui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Yeah. À partir du moment que tu décides de trouver Jésus, de marcher avec Jésus, Jésus change ton nom. Ce n'est pas le nom que papa t'a donné. Il change ton nom en gloire, en victoire, en succès, en dominateur, en dominatrice, sous sa puissance. N'importe qui ne peut plus appeler ton nom comme un païen. Vous allez voir, il y a des gens dans vos villages, vous ne remarquez rien. Quand vous avez toujours des problèmes de famille, des problèmes d'argent, vous ne savez pas que Dieu est toujours fidèle dans les moindres avant de te confier les grands. Et tu es obligé de connaître que cette valeur qui est petite, aujourd'hui, cette valeur sera grande demain. Alors, les gens, vous allez voir, beaucoup de gens vous venaient, soit te dit patron, soit te dit chef, soit fait des signes des grands, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es son grand. Alléluia. Yeah. Tu es son grand. Parce que ce que tu as en toi, il ne l'a pas. La chose qui en toi ne l'est n'est pas dans sa vie. Et quand il te voit, il comprend. Mais là où tu lui déposes, c'est quand tu commences à vomir ce qui sort dans ta bouche. La parole de Dieu dit, c'est ce qui sort dans ma bouche qui pourrit là où est dans ce qui entre. L'oxygène ne tue jamais. Mais l'oxygène apporte les autres. Ça change même l'odeur du tomate. Mais quand tu rejettes les contenus, c'est là où les mouches meurent. Oui ou non? Vous avez mal, vous savez ce que je dis? Quand quelqu'un commence à vociférer, à dire des choses bizarres, soit la bagarre, soit les machettes, soit, ça sort. Oui ou non? Parce que ça n'est plus sucré, ça dégage l'odeur.